Les catégories de l'amour. L'amour se divise en trois catégories. Un amour naturel, ceci est permis à condition de ne pas la faire devancer à l'amour d'Allah, comme le fait d'aimer son enfant et sa femme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi, min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in » Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son fils, son père et tous les gens. Le deuxième amour, c'est un amour pour Allah. C'est une obligation. C'est même parmi les éléments les plus fondamentaux de la foi. Allah le Très-Haut a dit « Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum » Muhammad est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. On porte cet amour pour quatre éléments. Pour les endroits qu'Allah aime, comme la Mecque, Médine. Pour les instants qu'Allah aime, comme la nuit du destin, le dernier tiers de la nuit. Les auteurs de ses actions, comme les prophètes, les messagers, les anges, les compagnons et tout monothéiste. Et l'action qu'Allah agrée. C'est tout ce avec quoi est venue la législation à l'exemple de l'unicité, al-tawhid. Et la troisième sorte d'amour, c'est un amour avec Allah. C'est un polythéisme majeur. Allah le Très-Haut a dit « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ » Allah le Très-Haut a dit Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. »